Bonjour à tous, aujourd'hui direction Reims, on va retrouver une équipe de fous furieux pour une nouvelle vidéo. Je vous en dis pas plus, je vous en ai avec moi, j'ai pris ma grosse valise, tu prends 3 places, on va essayer de la faire passer dans le train. Je vous promets rien, ça se trouve j'arrivais là-bas, je serais tout nu, mais bon c'est pas l'important, allez go, c'est parti. Tiens, tiens, tiens. The time avec sushi. 9 euros. Double cheese. 9,95. Avec grand. Maxi. Non. Ah, je sais pas si je suis loin. Il y en a un qui est large et l'autre il est pas large. Oh, t'aimes pas la sauce barbecue, je suis mort. Il est là, plus beau. Klaxon, s'il te plaît. Pardon. Klaxon, s'il te plaît. Hein? Klaxon, STP. Excellent. Ça c'est quand je rentre demain sur la piste avec le monde en bas la gueule. Oui d'accord. On est sur de la chaleur chaleurisante quoi. Bonsoir. 5 chambres c'est ça. Et là pour l'instant vous êtes que unboxing de la piste. Eh ça sent la gomme, ça sent la gomme, ça sent la gomme. Ballon je... De base, moi je prenais, mais au juste relâcher les gars, ça rend. Ouais, et là, t'as une grande. T'as une grande parabole. Là, rebriefer. Alors, pour rebriefer, il s'avère. Merde, attends. Tiens, tiens, parce que moi, j'ai trop de caméra pour la question. Bonjour à tous. Il s'avère que on t'a mis une Umbrella Girl du nom de Jeanne. Elle est pas célibataire. Mais il y a marqué célibataire. C'est pas juste. Moi je sais quoi regarde, allez, on a eu sa copine au téléphone, je fais c'est hyper bien, fait, ah pas du tout, je fais bah écoute Je m'en vais, on m'a menti. Et qui plus est amoureuse. Et qui plus est amoureuse. Elle a dit au téléphone, elle est amoureuse Jeanne et pas de lui. Ouais. Ça c'était violent sa mère. Ça c'était violent de lui. Abonnez-vous à ma chaîne. Je suis détenu depuis maintenant 94 heures. Il est en train de faire filmer pour les Mickey-Nof là. Aidez-moi s'il vous plaît. Toujours un maximum de dons. Je mettrai les pas dans le ah, c'est bon, tu peux poser. Voilà, hop, oula, attention, c'est moi qui l'en tiens. Je maintiens, c'est bon, je l'ai. Voilà. Oh là 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 là. Bon, ça me fait plaisir. Hey ah, c'est le directeur de course. Hey, c'est parti. Je mets des photos de la moto sur les réseaux ou pas du tout. Si on vous demande, moi j'ai dit qu'ils m'ont fait ouais ils sont là pour ton tournage. Je fais non, ils sont en OPSP à Reims et moi je fais un tournage à Reims et une coïncidence. Il n'y aura plus rien. Oh c'est vrai. Ouais, c'est parce qu'il y a des mecs, qui me disent merci. Ouais, pour demain machin. T'assure. Tu peux me donner ouais, à vote les gars. Tiens. Ça t'est. À la tienne. À la tienne, Étienne. À la tienne. Tu t'es fou, il est comme un ouf. Allez, c'est parti ce soir. Maxi folie, maxi ambiance, maxi soirée. Ce soir, DJ Carbon va trop patine. Je veux un maximum de bruit ce soir sur la scène. Ah, il est chaud. Je
Non mais alors qui aura la GoPro 8 ? Celui qui va se planter le plus possible. Sushi. Sushi, t'es chaud ou pas ? On est encore à l'hôtel, la journée va bientôt commencer, donc là on va partir au karting où on était hier. Et du coup on va commencer à se préparer, le tournage va commencer, vous allez voir, on va faire comme si c'était en gros une vraie course de MotoGP. Donc il y aura les essais, les qualifs, il y aura des commentateurs, ça va être incroyable, c'est un délire complet. On attend les autres, il y a du coup Ken Pich qui va arriver, et puis on va décoller directement, on va pas perdre de temps. Ah le voilà, il est juste là. Coucou! Ski quand même. C'est bon, Pélo, il faut qu'elle apparaisse. Ouais, je suis. Arrête, c'est le mien! Enfin, c'est celui de ma meuf, donc c'est le cas, c'est. Voilà, on va pas être content. T'as ma main, il me brûle. C'est pas lui? Ah, c'est pas lui. Il a eu la plus grosse déception là. T'es pas lui, toi, du coup? Ah oui. T'inquiète, j'arrive. L'ingé son est là. Vas-y, fais un truc. Ah bah voilà. T'es. Ah. Fais-toi plaisir. Attends. Messieurs, dames, c'est parti. Ce soir, Maxi Folie. Ce soir, c'est ambiance de folie. Et c'est Happy Hour de 11h à minuit. J'espère que vous allez bien ce soir. DJ Carbon 23 Platine, j'espère que vous êtes chaud. Là, Dorian, il est pas bien, tu vois. Là, il est pas. Attends. Coucou maman, je vais gagner. Projet de ce numéro 8. Coucou Sushi, tu vas perdre, tu vas tomber forcément, tu le sais. Si tu regardes cette vidéo et que t'as l'hosto, bah coucou, t'as perdu. Hein. Mais tu t'es pété une jambe, voilà. C'est alors là que t'as un genou en moins. Voilà, vous voyez, vous avez une grande parabole, hein. Voilà, il va forcément tomber. Ah là, les bénévoles pour la journée. Comme je vous ai dit, on est 19. Je crois qu'il y a 19 bénévoles plus nous. C'est genre 20-25 personnes. Incroyable. C'est. Du coup, on aura une Ambre girl, un mécano, des commissaires, des commentateurs, des pilotes. Il y en a deux là. Un là et l'autre il est perdu. Ouais, vaut mieux pas. Tu tournes en combien ici, toi? 19 500. Vas-y, man. Oh my god. What a shot. What a man, bitch! Woo! Il est trop chaud, Julien. Ken Pich s'est donc chargé d'organiser tout l'événement. C'est un travail de fou. Tous les détails, il a fait. Des petits parcs fermés, il a fait les blocs, les machins, les trucs, c'était incroyable. Et on a donc GeoRide qui a sponsorisé l'événement. Vous connaissez sûrement Wallan, hein, je vous le cache pas, le fameux YouTuber. Et Wallan a donc lancé son entreprise, c'est GeoRide. Je trouve que le principe est génial. C'est simplement en fait, si vous avez peur de vous faire voler votre moto ou peu importe, il y a aussi d'autres utilisations. Donc c'est un système GPS. Donc première utilisation, c'est voilà, savoir où est votre moto. Quand vous vous faites voler, il y a une alarme si la moto sort d'un périmètre. Il y a plein de fonctionnalités, il y a ça, voir vos road trips, etc., faire des tracés de vos balades. Il y a aussi, il me semble, une alarme si vous tombez, il y a des capteurs qui vous permettent de savoir et qui alertent les secours automatiquement, donc ça c'est super, imaginez vous tombez, vous perdez conscience. Ben voilà, c'est top, enfin moi je sais que quand je pars rouler tout seul, je suis jamais serein, et là c'est une épine dans le pied d'enlever, surtout pour mes parents, surtout ma mère. Mais voilà, bon je vous laisse aller voir, j'ai mis un lien dans la description, c'est un projet super cool. Et on a grave de la chance qu'il soit avec nous. On va passer une journée incroyable, ça promet de ouf. Allez. Ouais, faut la faire choper là. Ouais. Thank you.
J'en suis mis une dans le dernier tour. Ouais. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais. Pareil, je freine que du frein avant, j'ai trop l'habitude. Ouais, bah ouais. Ça freine bien ou pas l'arrière, ça? Bon, pas trop, mais je me laisse dans le virage, je me laisse rouler. Bon, la course approche. On a fait des chronos pas mal. J'ai amélioré à chaque fois le temps, enfin mon temps. Là, on a Ken Pich du coup qui est en première position. On a Sushi et je suis juste après. On est à 2 dixièmes les 3 de différence, donc ça promet d'être assez serré. Je sais que je suis plutôt régulier, donc ça peut fonctionner. Et surtout, j'ai encore une marge, je sais où je peux gagner du temps. Donc, bon, normalement, on devrait essayer de faire un truc bien. Si on gagne pas, on gagne pas. Si on termine pas sur le podium, bah tant pis. Je vous rappelle qu'on sera 5, donc dans l'ordre Ken Pich, Sushi, moi-même, Wallan et Carbone. Voilà, donc maintenant, place au repas. Après, il y a à manger là, mais... Monsieur, un commentaire sur votre premier temps. C'était pas évident, surtout qu'on sort de la chute, on ressort de la Q1, et on a fini premier de la Q1, et ça, c'est merveilleux. Du coup, on se retrouve en Q2, et en Q2, j'y croyais pas, avec Volt, hein, qui est très rapide depuis le début, et Sushi, qui a été voilà, le numéro 1. Pour l'instant, mais on l'a fait. On a fait un très bon temps et je suis très content. Maintenant, on essaie de rester concentré pour la course. En fait, t'as gagné deux courses qualifs au final. J'ai gagné les deux qualifs. J'ai gagné les deux qualifs. Bon, allez, là, on va se préparer. On va avoir le warm-up. Donc, on fait un tour. On a même deux safety cars. C'est un truc de ouf. Warm-up, donc un tour. On va se placer en grille. On a la troisième position, troisième temps. On va essayer de se mettre dans le rythme direct. Je sais pas si. Le problème, c'est que les pneus vont pas être super chauds. Mais bon, on va faire comme on peut, puis surtout on va essayer de se faire plaisir. On se régale depuis le début de la journée, donc surtout pas se faire mal. Et voilà, et puis j'en profite. Regardez mon assistant, mon mécanicien John. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est lui qui vous a filmé beaucoup de cette vidéo. Je l'assure. Donc on va essayer de récompenser aussi. Plaisir. Si on peut finir premier avec une médaille, c'est grave. On va tout donner, on verra. Ah ouais. Fait de ouf. Ah la main. Désolé. J'ai paniqué. Voilà, t'as paniqué parce que tu n'as pas niqué. T'as compris la blague, le petit jeu de mots excellent. Voilà. Ah oui. D'ailleurs, tour de chauffe. Tour de chauffe, on part, il nous suit, mais lui. Ouais, mais oui, d'accord, mais du coup, moi, je pars des stands. Tu pars des stands. Je pars des stands, je fais un tour juste pour arriver derrière. Hi. Ça va être chaud, mec. Ça a été trop fort. Bah ouais, toi. Ouais, je crois. Tu m'étonnes, vous avez pas trop de chance là. Ouais, ça va. Ken Pich, il est fort là. C'était le best au niveau de la... au niveau des records. Ouais, mais t'inquiète, là j'étais pas à fond. Ah, je suis loin d'être à fond. Là. J'ai filmé, j'ai vu la prise de vue au moment où tu les as doublé là. Mais je peux tirer mon épingle du jeu là. Hein? Je peux tirer mon épingle du jeu. Franchement. Ah, t'inquiète pas là, tu vas tout. S'il part pas tout seul, ça peut le faire. Hein? Ils sont hyper chauds, hein. J'ai vu les scores. Ah ouais? Ils sont tendus. Eh écoute, on va tout donner hein. Ouais. Putain, il faut que j'ai ça vers chez moi là. Ouais. Oh là là. Ah, je me taperai des grosses barres avec mon petit frère là. Oh là là. La course va partir. On a fini le warm-up. Donc là, on est en grille. On a le mécano. Hop, la petite hôtesse. Hop, j'ai pas voulu savoir mes temps. Je voulais pas me mettre la pression. J'étais troisième dans les temps. J'ai fait des temps pas très loin de la tête, donc ça devrait aller. Et je sais qu'en course, bon, il y a toujours l'effet de course, donc on verra bien ce que ça donne. On va rester opportuniste. Salut. Restez opportuniste, voir si les portes s'ouvrent. Et voilà, l'important c'est de pas tomber, hein, pas se faire mal. Et on verra pour la suite du coup ce que ça donne. Voltor. Oui. Deuxième du coup en plein milieu de grille. J'imagine que vous êtes un peu déçu, mais quand même, comment comptez-vous réussir à finir premier pour cette course? Bah écoutez, en tant que rookie et pour une première on va dire sur la piste, je suis plutôt satisfait de moi effectivement. On va essayer de suivre le train des plus rapides, en mettre la pression si possible. Et rester opportuniste et voir si les portes s'ouvrent, saisir les occasions. De passer devant, donc on va essayer déjà de pas tomber aussi, c'est important, pas se faire mal, penser à la saison et jouer sur le long terme effectivement. D'accord, bah écoutez, on l'espère pour vous.
courage pour cette course. Merci, bon courage. Merci. Merci. C'est un délire. Bon, faut que je la refasse parce que j'avais pas le micro dans le bon sens. Bon, deuxième essai. Un petit tour de chauffe. Applaudissements aussi s'il vous plaît à Voltor, Sushi, Carbone, et je garde le reste pour la fin. Voltor, Sushi, Carbone s'il vous plaît. Voilà, on s'en va les couilles. Non, c'est pour rentrer, merci à eux. Et j'attendais un peu pour Wallan parce que Wallan a, comme vous le savez tout ça, est sponsorisé par Georide. Le lien s'affiche dans la description, bien entendu. Non, un grand merci à Wallan parce que je voyais les choses d'une certaine façon. Il a réussi à faire en sorte qu'on fasse ça vite, mais bien. Chose que je ne pensais pas possible, puisque je voyais les choses d'une autre façon. Un grand merci à Wallan qui a tout sponsorisé et qui a vraiment géré là-dessus. Merci Wallan. Ouais, merci à Wallan et à son cœur aussi. Merci Wallan. Et pour finir, le dernier merci. C'est pour mon chien, qui est actuellement décédé, malheureusement. Un grand merci à Anna qui a... C'est elle qui a... Un grand merci, parce que sans elle, il n'y a rien dans cette organisation, il n'y a rien. Et surtout, bravo, Crenpiche. Merci. Non, voilà, un grand merci à Anna, parce que sans elle, il n'y a pas de projet. Mais sans elle aussi, il n'y a pas de Dorian qui refond les études, il n'y a pas de Dorian qui fait une chaîne YouTube, il n'y a rien du tout. Donc, Le bisou. Voilà, encore une fois, merci à vous tous, fin de tournoi. Aussi qu'on attend, mais attention, bon, voilà, on rappelle, deux grandes tailles et un peu de grandes tailles sur ces motos-là, c'est compliqué.
la vidéo touche à sa fin. Deux informations critiques avant de vous laisser. La première, c'est que la grosse vidéo, vraiment grosse vidéo, résumée avec ultra travaillé, les commentaires, etc. Tous les plans, etc. GoPro avec les plans stabilisés, etc. C'est sur la chaîne de Kenpich. Donc je vous mets le lien dans la description. Deuxième info, je vous fais gagner un GeoRide. Donc allez voir, c'est aussi en description. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao, bye et gaz.